Bienvenue sur Happy Green. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Healthy Diet Vlog. Alors je vous ai un peu abandonné hier pour tout vous avouer. Le midi j'ai mangé du coup dans un endroit, j'ai réussi à prendre mon plat en vidéo. Donc c'était du poisson en papillote avec des frites. Aïe 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 la cata. Donc du coup j'en ai juste pris un petit morceau, des carottes en entrée. J'ai pas pris de dessert parce que c'était que des mousses au caramel et tout ça. Donc voilà, j'ai pas pris. Et ensuite j'ai fini mon rendez-vous à 16h30. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai préparé mes affaires et j'ai décidé d'aller fêter ça avec ma soeur et ma maman à Bayonne directement. J'ai pas attendu le lendemain du coup pour y aller. Donc voilà, j'ai fait la petite surprise à ma soeur, elle était très contente. Elle avait même un rendez-vous en visio qu'elle a du coup annulé pour venir avec moi chercher mes affaires à la voiture. Donc c'était vraiment très chouette. Je vous mets du coup les petites images de ce que j'ai mangé hier midi. Donc du coup voilà, et le soir je vous ai pas pris en vidéo parce que j'ai mangé des saucisses, vous savez, végétales avec des haricots verts et un petit peu de carottes je crois, ou de tomates, voilà. Et puis j'ai mangé en dessert un yaourt, comme ça je n'ai plus de yaourt. Alors du coup d'habitude je suis pas très petit déjeuner, mais comme je suis chez ma maman avec ma soeur, ça me tente un peu plus de prendre un petit déj, donc comme j'ai faim, je vais manger. Là, j'ai fait un thé Bali, il est très très bon ce thé-là. Je sais pas si vous connaissez. Thé vert au jasmin, pétale de fleurs, arôme, litchi, pamplemousse, pêche de vigne. C'est très très bon. Et après, je me suis fait deux tranches de pain que j'ai fait griller et j'ai mis un petit peu de compote dessus. De la compote comme ça que ma maman avait, pomme vanille. Sans sucre ajouté, donc c'est super, bon appétit. Là on part avec ma soeur faire les courses, voilà, ce midi j'ai mangé du coup des konjac, des pâtes de konjac avec de l'oignon, des carottes coupées à la mandoline et des oignons, c'était mais trop trop bon. J'ai mis un petit peu de purée de piment d'Espelette, j'en ai mis un peu trop, c'était assez fort, mais ça restait très bon. Et j'ai pris des raviolis aussi, je vous mets ça de suite. Donc voilà mon repas du midi, donc c'est des raviolis aux crevettes et aux légumes, donc du coup ça fait les féculents et les protéines. Et ensuite j'ai fait les spaghettis de konjac avec une petite poêlée de légumes, donc des carottes comme ça en lamelles, des oignons et des tomates. Donc j'ai fait tout ça revenir et j'ai mis un petit peu de piment d'Espelette. Voilà, bon appétit. Alors du coup je vais vous faire un petit retour de course pour vous montrer ce que j'ai prévu de manger dans les jours qui viennent. J'ai pris déjà un paquet de mâches et roquettes, voilà. Ensuite j'ai pris des crevettes, du saumon et ensuite des yaourts. Donc c'est des tailles fines comme ça, 0%. J'ai bien regardé au niveau des calories et du sucre cette fois-ci. Donc là j'ai pris à la vanille et j'ai pris aussi à la pêche. Donc pour la vanille c'est 54 calories et pour le fromage blanc aux pêches c'est, je vais vous dire le temps que je retrouve, 53 calories. Donc ça change des 109 pour les sveltes. Voilà, avec 0% de matière grasse, donc ça tombe nickel. Ensuite j'ai trouvé aussi du dos de cabillaud, donc ça je les ai pris chez Lidl. Avant c'était chez Leclerc. Pour finir avec Leclerc, j'ai pris des tomates cerises. Alors je sais, il y a plein de légumes qui sont pas de saison, mais pendant un rééquilibrage alimentaire, c'est très dur dans cette période de manger des fruits de saison, à part des légumes au pot-au-feu, et vous verrez que j'en ai pris, mais je peux pas manger des légumes au pot-au-feu tous les jours, donc voilà. Ensuite, j'ai pris, donc je vous disais, des tomates cerises. J'ai pris des artichauts aussi. Très très bon. Avec ma maman et ma soeur, on aime beaucoup et on en mange très souvent quand on est ensemble. Ensuite j'ai pris du thon nature, au naturel. J'ai pris des émincés nature de soja. Donc j'ai regardé à l'intérieur, c'est vraiment des protéines de soja concentrées. Et par portion c'est 126 calories. Donc c'est très bien.
Et ensuite j'ai pris de la purée de tomates. Donc à l'intérieur j'ai bien vérifié qu'il n'y ait pas de sucre. C'est vraiment que de la purée de tomates. Donc ça c'est très bien avec les konjac, les pâtes de konjac ou le riz de konjac, qui a pas trop de goût, mettre un petit peu de sauce tomate. C'est très bon et du coup c'est juste de la tomate. Donc comme je vous l'ai dit, juste d'eau de cabillaud qui était en promo. Ensuite j'ai pris des poivrons. Donc ça c'est pareil, c'est pour faire avec des pâtes de konjac. J'ai pris aussi un concombre, donc là on est vraiment pas dans la saison des concombres, mais c'est pour mes journées choc. Donc voilà, ensuite j'ai pris aussi des courgettes. Voilà, j'ai pris aussi une aubergine pour les légumes. J'ai pris du curry parce que ma maman n'en a pas et moi j'aime beaucoup mettre des épices dans tous les plats, donc là j'ai pris du curry. J'ai aussi pris des légumes pour pot-au-feu. Donc à l'intérieur on a des courgettes, non pas des courgettes, des poireaux, des carottes, du navet et des oignons, parce que ma maman fait une soupe que je vous avais mis d'ailleurs, que j'avais refaite. Si vous l'avez pas eu, je vous la mets dans le petit i. Une soupe qui est très très bonne et c'est vrai que pour le soir c'est très bien. J'ai aussi pris des poivrons grillés. Donc au début je me suis dit oula, ça va pas être possible dans mon rééquilibrage alimentaire. Mais au final j'ai vu qu'il y avait du poivre, enfin c'était poivron au vinaigre, il y a un peu de sucre. Et après quand j'ai regardé au niveau des calories, j'ai vu qu'il y avait 39 calories pour 100 grammes. Et comme c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup de temps en temps, c'est très bien. Et en fruits, j'ai choisi de prendre des clémentines. Voilà, parce que ça c'est très bon et on peut en manger... deux par soit le matin à 10h soit l'après-midi. Là d'ailleurs il est 16h exactement et je vais pas tarder à en manger deux. Voilà, ensuite on a aussi pris des courgettes, vous savez, des petites courgettes rondes, et à l'intérieur je pense qu'on fera avec un petit peu de thon ou des petits légumes. Donc voilà, là on va pas tarder à aller chercher avec ma soeur les sushis qu'on a commandés avant le couvre-feu. Donc voilà, je vais ranger mes petites courses. Donc du coup, ce soir, Sushi Shop, on prend la box à emporter, ça va être super bon, on va partager ça. Donc voilà pour ce soir. Et voilà pour ce soir, on a pris la Happy Sushi Box. C'est vraiment bien parce qu'en fait, elle coûte 25€. Et voilà, à l'intérieur, vous avez plein de choses. Je vous la sors et je vous la montre. Elle a l'air intéressée, la petite Oli. Merci d'avoir regardé ce Healthy Diet Vlog. Sur ce, je vous laisse vous abonner, liker cette vidéo. Et puis, on se dit à demain pour un vlog.